Hello les bis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et je n'ai pas changé d'endroit pour rien. Aujourd'hui, il fait beau et la luminosité est à son plus haut point puisque je suis située à l'est. Par contre, là où je suis placée d'habitude, j'ai des jeux d'ombre, je me fais mettre une photo, c'était pas possible. Mais je suis bien contente qu'il fasse beau et qu'il ne pleuve pas. Et aujourd'hui, ça sera une vidéo Action Dose. Chez Action, je n'ai pas trouvé grand-chose et j'étais même un peu déçue par leur décoration. Je trouve qu'ils ne se renouvellent pas. Maintenant, je vois certaines vidéos. Alors, ça peut être du côté de Lyon ou du côté de Paris, enfin région parisienne. Là, elles ont peut-être la déco qui arrive un petit peu avant. Mais en tout cas, chez nous, rien de particulier. À part les lampions à mettre sur les terrasses, les panneaux, vous savez, un petit peu cérusés. Je n'ai vraiment pas été éblouie par leur décoration et je pense qu'ils vont se renouveler prochainement. J'ai trouvé une toile coton 50 par 50. Elle n'est pas pour moi. Elle est pour Raphaël qui souhaite en fait reproduire un dessin de manga. Il me semble que c'est Dragon Ball Z. Il est fan de Dragon Ball Z. Normalement, il se débrouille bien en dessin. À voir s'il a perdu la main. S'il me l'autorise, je vous le montrerai. J'ai repris un lot de cintres. Moi, je les aime beaucoup en couleur beige. On ne les trouve plus actuellement. Moi, je les avais trouvés chez Primark et même chez eux, la fois-là, ils ne les avaient pas. Ils les avaient en couleur. La couleur ne m'intéresse pas. Donc, je les ai repris en noir. Je les aime beaucoup parce que comme il y a de la feutrine dessus, une petite encoche de chaque côté, vos vêtements ne glissent pas si vous avez des robes avec des petites lanières l'été. Je rigole toute seule parce que je finis par être poursuivie par le soleil tout doucement. Et donc, je ferme mes stores au fur et à mesure parce que je vois à nouveau des jeux d'ombre. J'espère que ça ne sera pas trop gênant. Après, c'est du Action. On parle pas trop maquillage. Donc, je pense que ça ne vous gênera pas. Je l'espère. Au niveau papeterie, j'ai trouvé du washi tape qui se colore. Et il fait 1 mètre par 5, 50 mm de largeur. J'ai trouvé ça original. À voir ce que ça donne. Bon, écoutez, moi, le washi tape, je m'en sers souvent. Pour terminer des emballages cadeaux ou pour mettre un liseré autour ou dans un cahier. J'ai pris ces mini cadres et je les trouvais beaux. Alors ils étaient dans toutes les teintes. Là c'est du doré vieilli. Il les avait en plus doré, en argenté, en blanc je pense, cérusé. J'ai trouvé ça mignon. Et en noir, il ne me semble pas parce que je cherchais du noir. Ces cadres mini, alors ceux-là sont argentés, deux ronds. Ils sont un petit peu différents là. Il est ovale. 5 petites clés, je les trouve vraiment belles. Celles-ci, on dirait vraiment des clés d'armoire. Très bien fait quand même. Et c'est très léger. Des petites lettres en bois et il y en a 104. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a tout l'alphabet. Des pastilles adhésives en 3D. Celles-ci, vous les connaissez, ce sont des petits carrés qu'on peut détacher. Ça, c'est très pratique quand quelque chose ne tient pas. Moi, je prends ça. Après, j'ai aussi les rouleaux double face. Ça fonctionne bien. Mais si vous avez vraiment quelque chose de minutieux, ce sont vraiment des tout petits carrés. Alors, mon mari s'est pris des petites lunettes. Vous savez, c'est du plastique pour la presbytie. Là, c'est la correction, c'était du plus de 50. Il a deux paires de lunettes, une dans la voiture, une à la maison, qui ont donc été prescrites par un ophtalmologue qu'on a acheté chez un opticien. Puis, il les utilise parce qu'il bricole. Donc, il les pose, vous voyez, sur un établi. C'est du bricolage dans une maison. Et il casse beaucoup de choses. Et ces lunettes-là, il en est bien content parce qu'il en achète. J'ai jamais vu ça. Il en achète tout le temps. Donc, il faisait son petit choix. Il en a pris deux paires. Il les a déjà rangées. J'ai repris de l'aluminium, la marque Dumil. Bien. J'avais pris des lingettes, vous vous rappelez, qui récupéraient la décoloration des couleurs dans le lave-linge. Et elles fonctionnent très bien d'ailleurs. Vous étiez plusieurs à me dire qu'elles étaient de très belle qualité. Je vous en remercie encore. Là, j'ai pris des lingettes pour raviver le blanc. Je vais voir ce que ça vaut. Moi, j'ai en général le bloc de vanille. Moi, je trouve qu'il y a une petite odeur. On verra avec les lingettes. Et elles sont comme ça. J'ai pris des piques en bambou. Elles font 18 cm. Alors, celles-ci, elles sont destinées à l'anniversaire d'Enzo. Je mettrai des fruits dessus. Je mettrai aussi des marshmallows et des bonbons. D'action, j'ai quand même trouvé une petite piggy bank. Je la trouve vraiment mignonne. Elle s'ouvre par le bas. Là-dedans, il y aura des pièces de deux. Je ne mettrai rien d'autre, c'est promis. J'avais vu des youtubeuses qui avaient acheté ce bikini case. Je trouve vraiment marrant. J'avais trouvé ça rigolo quand je l'avais vu. Et c'est fait pour mettre les bikinis pour pas qu'ils se déforment. Et vous savez que moi, les soutiens-gorge à coque, je n'aime pas. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Mais les maillots de bain sont pratiquement tous à coque. Là, il y aura un très bon maintien quand ils seront dans la valise. Pour une fois, j'ai trouvé des masques dans mon Action. Donc celui-ci, c'est le Butterfly. Et celui-ci, c'est le Venetian. Donc je vais les tester. C'était vraiment juste pour voir ce que ça peut donner. Chez Action, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis un petit peu déçue.
Maintenant, s'il y a vraiment rien qui m'intéresse, je ne vais pas acheter pour acheter. Par contre, chez Noz, à nouveau, j'ai fait des petites découvertes. J'ai trouvé un drap housse et celui-ci, c'est pour un lit de personnes. Il fait 160 par 200. Et là, ce que j'aimais bien, c'est qu'il a la hauteur de 25 cm pour le matelas. Et surtout, c'est du 100% coton percale. J'aimais beaucoup la couleur, un petit peu bleu grisé. J'ai pu le toucher puisqu'elles sortent à chaque fois un produit, elles le mettent en situation. Ça, c'est génial. Et je l'ai eu à 10,99€. J'ai flashé pour ces assiettes. Je les trouve magnifiques. Cette couleur, ce motif, ces arabesques, j'adore. Franchement, j'adore. Mon mari me dit, mais t'as plein d'assiettes. Je dis, ah non, mais celles-là, elles sont magnifiques. À l'arrière, elles sont bordeaux. Et sur le ticket de caisse, ce qu'il y a de bien, donc vous avez le prix, c'était 1,50€ pièce. Il y a marqué adapté au lave-vaisselle et micro-ondes. C'est Jameson et Taylor et ça vient d'Allemagne. Et ça a été fabriqué avec amour, c'est noté. Je n'ai pas pris d'alimentation, il n'y avait rien qui me plaisait. Je n'ai pas pris de produits de beauté. Par contre, j'ai à nouveau trouvé des petits bijoux pas chers. J'ai trouvé cette bague, 99 cents. Elle va bien avec mon haut beige, enfin c'est un petit peu, ça c'est beige, ça c'est taupe, on va dire. J'adore. Et elle est réglable, donc je peux l'écarter, parce que moi je préfère porter mes bijoux ici au milieu. Voilà. Un tout autre genre, le même prix, 99 cents. Celle-ci. Elle est style argenté, avec une toute petite pierre. Celle-ci, je n'arrive pas à la passer là. Est-ce que je la passe là? Oui, je la passe de ce côté-là. Le majeur de la main droite est beaucoup plus fort que le majeur de la main gauche, forcément, puisque je suis droitière. Cette fois, j'ai trouvé plus de bagues que de boucles d'oreilles. Celle-ci. Sympa aussi. Est-ce qu'elle passe de l'autre côté? Eh oui, c'est assez bizarre. Hein. Donc, j'ai vraiment une main beaucoup plus forte. C'est de manipuler. Hein. J'ai trouvé celle-ci, je l'aime beaucoup. En fait, vous placez deux doigts. Très original, je trouve. Alors, à nouveau, il faudrait que je la détende puisqu'elle est, elle peut se régler. Hein, on peut écarter. Je replace. Non, je vais les laisser comme ça. J'aime bien que ça ne soit pas complètement plat. Mais de ce côté-là, vous voyez, j'ai essayé de la mettre. J'ai plus de mal alors que là, impeccablement bien. En boucle d'oreille, regardez ce que j'ai trouvé. Des tout petits lapins blancs. Je trouvais ça rigolo. Celle-ci. Celle-ci, on dirait du nacre. Bien sûr, c'est du faux, c'est léger. Mais l'été, ça sera génial. Je les aime beaucoup, celles-là. Il y avait deux teintes, mais ça, j'ai vraiment trouvé que c'était particulier. Encore une fois, je trouve que ça fait un peu bohème. Avec une belle robe blanche longue ou j'ai une robe longue bleu marine, ça fera très très joli. Et la dernière paire, des petites bleu ciel. Alors ça, ça devait être une marque, Lisas. Je ne connais pas, j'irai voir. Et celle-là, je les trouve belle aussi, plus classique. Vous voyez, ça n'a pas été des achats de folie, mais moi, je fais quand même attention à ce que je prends. J'aime utiliser ce que j'achète. C'est de la consommation, certes, mais quand même, il faut que cette consommation, voilà, elle soit utile. Hein. Donc, les bijoux fantaisie, j'aime bien changer. J'aime beaucoup, beaucoup la fantaisie. J'ai eu longtemps de l'or, de l'argent, mais je trouve que la fantaisie, elle est de plus en plus belle. Elle ne fait pas d'allergie. Moi, je n'ai jamais eu d'allergie. Je tiens encore une fois à le dire. Hein. Et de toute façon, comme je change tous les jours, il n'y a pas le temps non plus d'avoir d'allergie. Voilà. Bah, écoutez, moi, c'est terminé, les bises. J'espère que ça vous aura plu, même si cette vidéo est quand même relativement courte. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.